Parce que là, c'est simple. Là, le Real, ça va être là. Le Real, ça va être là. Et ce que vous êtes en train de proposer, c'est moche. Vous voulez quoi? Qu'on vienne en mode à l'ancienne? On va au camp des loges, hein? Parce que là, on est trop calme. Je vous dis. Là, les supporters parisiens, les ultras ou ce que tu veux, on est tous trop calmes avec vous. Et on est trop gentils. On est là, on veut vous supporter, remonter le moral. Mais ça marche pas parce que vous nous respectez pas. Au courant. Vous nous respectez pas, vous nous respectez pas, et c'est en train de me rendre fou. Et mouiller le maillot, battez-vous, mercato d'été, on se dit putain la direction là, ils en veulent, et donc ils nous mettent bien. Mais en fait, les joueurs, ils nous chient dessus, les gars. Ils nous chient dessus. Eh bon, il y en a peu que je respecte. T'as vu, parce qu'il y en a peu où je connais vraiment leur mentalité, et je sais ce qu'ils ont envie de faire avec le Paris Saint-Germain. Mais ils sont pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup. Il y a plein de joueurs, la tête de ma mère, tu les mets à Chelsea, au Bayern, Liverpool, ce que tu veux, ils ont même pas leur, ils jouent même pas ils jouent. Même pas ils ont un temps de jeu. Hein? C'est grave, là, franchement, la tête de ma mère, vous êtes en train de me faire souffrir, et j'en suis sûr que j'ai pas le seul. Je suis pas le seul à souffrir. Hein? Je suis pas le seul à souffrir. Oh, bande de fils. Courez, courez, courez. Messi, t'as vu, moi, Messi, vous me dites pas longtemps, si, je m'en bats les couilles. La Paris, il est nul, c'est pas Messi. C'est plus la merde. Il est où, Messi? Il est où? Il est où? Il fait rien. 90 minutes, il touche 20 ballons. Au courant, 6 dribbles, 90 minutes. Et on va acheter qui? On va faire quoi? On va déterrer la tombe à Maradona, on va acheter Maradona, on va acheter Spider-Man. On va mettre des étoiles d'araignée. Eh, c'est pas un jeu vidéo, les gars! Eh, sur le terrain, c'est à vous de vous donner! La direction, ils font ce qu'ils veulent, tout le monde fait ce qu'ils peuvent! Mais vous courez pas! Eh, t'enlèves Verratti! T'enlèves Mbappé! T'enlèves Marquinhos! Y'a plus d'équipe! On va pas se mentir, y'a plus d'équipe! Hein? Mauricio Pochettino! Eh, en une mi-temps, je l'aurais déjà viré, ça fait trop, ça y est! On peut pas! Tourelle, on l'a viré pour moins que ça, la famille, vous vous rappelez, on a mis 4-0 au Parc des Princes! Le lendemain, on dit à Tourelle, prends tes valises, dégage! Et joyeux Noël! Mais c'est pas grave! On s'est dit, vas-y, on va prendre un autre coach! Un autre coach, c'est pareil, c'est pire! La vie de ma mère, la souleur qu'elle je crois, c'est le pire des coachs à grand-mère! On gagne sans gagner, tu vois! C'est moche, alors qu'on doit avoir un style de jeu déjà! N'importe quel coach, il arrive au PSG, il doit avoir un style de jeu! Efficace et compétitif! Hein? C'est pas un coach, il est là, on dirait le mec, c'est un supporter! Il se reste sur le banc, pas un sourire, aucune classe! Pouvre! Il a pas de classe! Eh, t'es le Paris Saint-Germain, sa mère! On fait des partenariats avec Jean, Hugo Boss, Hublot! Hein? Et Pochettino, il vient d'où? Il vient d'où? En tant que joueur, on était tous contents qu'un entraîneur qui a joué chez nous et tout. Mais en vrai de vrai, ce qu'on fait le bilan, si on se fait ce putain de bilan, il pue la merde! Ramenez Christophe Galtier, regardez ce qu'il fait avec Lille, avec Nice, Saint-Etienne! Il a fait des gros parcours! En vrai, ça sert à rien de chercher loin, de ouf! Il y a des coachs performants juste à côté de nous! Pareil pour les joueurs, vous allez chercher des Paredes, des Danilo Pereira! Voilà des Danilo Pereira! La fille de ma mère, ils ont pris Danilo Pereira à la base, le mec, il était venu pour nous aider! Voilà, pour nous aider! En prêt! Ça c'est fini, on se mange une douille, on se mange une option d'achat, fils de pute! Hein? Après, on souffre au milieu de terrain, on peut pas acheter des Pogba, on peut pas récupérer des Ndombele! En prêt, ils ont pas réussi à faire Ndombele! Et ça, c'est Leonardo, ça! Leonardo, tu sais pas vendre! Regarde-moi dans les yeux, tu sais pas vendre! Tu vends que des joueurs libres! C'est même pas des ventes! Que des transferts libres! Normal qu'on souffre! Eh, les gens, ils sont là, ils sont trop dans le confort! Arrêtez de les mettre dans un confort! Arrêtez de les respecter! Il y en a qui méritent du respect! Hein? Mais il y en a, ils méritent pas de respect! Et il y en a la vie de ma grand-mère que là, 2022, vous allez voir! Putain, la tête de ma mère, j'ai l'impression d'être en arrière, là! Là où on souffrait! Pouf! Ah, des gros molars, là, j'ai la bouche pâteuse. Tellement j'ai le seum, mon téléphone, il est dégueulasse à cause de vous. Hein? Mais de la vue! Faut que tout le monde se réveille. On est trop gentils sur les réseaux sociaux. Hein? Mais c'est pas grave, si ça bouge pas, j'ai une bonne communauté. Et je pense qu'on est plein à penser comme moi. Et on va venir vous voir! On va venir vous voir! C'est ça, en fait! Hein? Peut-être que vous allez plus nous respecter. Vous allez voir que nous, on a envie que vous gagnez. On a envie que vous allez loin. Et on demande pas grand chose, parce que vous demande pas grand chose! Putain! Voilà que le téléphone est en train de bugger, il y a des molars
Pouh, elle a encore un autre mot là, bande de bâtards de merde. Eh, vous me dégoûtez, vous, je fais des trucs de crasseux à cause de vous. Moi, le foot, il me rend fou, la famille. Déjà, en ce moment, je suis en train de traverser une période de bâtard avec l'Algérie en canne. C'est pas possible. Là, Paris, c'est pas possible. Eh, c'est quoi, là? Je pense quoi, 2022, là, dans ma vie, là? Eh, là, dans ma vie, je pense quoi, 2022? Là, je suis en train de me rendre compte que je suis possédé. Voilà, je me regarde, je suis possédé à cause de ce club. Mais je l'aime tellement, hein. Et quand je vois des joueurs qui se foutent de notre gueule, ça me dégoûte. Ça me déçoit. T'es Mauro Icardi, mais gardez Kalimundo. Pourquoi tu vas chercher loin? Gardez Kalimundo, la famille. Ça, c'est inutile de prendre un salaire à 10 millions par an, je crois. Toi, elle dégage de mon club, toi aussi. Elle dégage de mon club et vite. Toi, Wanda, les enfants, dégagez. Vous nous avez rien, vous êtes là pour nous plomber. Hein? Mais heureusement qu'il y a des vrais. Il y a des vrais, la famille. Il y en a pas mal. Mais il y a une petite partie, je veux pas dire des blases, mais il y a une partie qui sont pas concernés par le projet. Et ils sont là juste dans un confort. Et ils veulent nous baiser, ces gens-là. Hein? Mais c'est nous, Paris. C'est nous, Paris. Et si on doit vous rebooster d'une autre manière, et bien on va vous rebooster d'une autre manière. Et parole de Sabri. Parce qu'au bout d'un moment, hein, avec le confort que vous avez, tout, vrai, on va mettre tout dans le délire. Hein. Normalement, c'est des matchs agréables. Normalement, c'est des matchs où vous nous faites kiffer. Vous nous transcendez. On passe par plusieurs émotions. Hein? Là, on passe par pas d'émotions, là. On passe par des sodomisations. On n'arrive pas à marquer. Hein? On n'arrive pas à marquer. On calcule tous les matchs de merde qu'on a fait cette saison. Même si on a pris des 3 points et tout, il n'y a pas de souci. L'important, c'est les 3 points. Je suis le premier à le dire. Mais quand t'élimines de la Coupe de France, moi, la Coupe de France, depuis tout petit, cette coupe, ouais, c'est quelque chose. Hein? C'est quelque chose, cette coupe, sa mère. Et on est éliminé. On est éliminé pendant qu'on a viré un coach qui a ramené 4 trophées, je crois. Mais c'est pas grave, Tourelle, on voulait tous le virer au bout d'un moment. Donc on va pas parler des coachs et tout. Là, le problème, je sais pas si c'est des coachs ou pas, mais en tout cas, Mauricio, il y a un vrai problème avec lui. Il y a pas de couilles. Un exemple, la famille, on élimine la Coupe de France. Ok. On lui pose une question, il répond quoi? Oh, j'ai déjà choisi des joueurs, mais après les joueurs, ils ont fait entre eux, limite. Mais c'est toi le coach! C'est toi le coach! Si tu décides 5 joueurs, ils doivent te respecter. Oh, allez. Allez, j'ai envie de sortir ma bite, j'ai envie de la sortir et faire un pit. Allez, vas-y, j'arrête. Je vais craquer, j'arrête.